俺のフェイントが読めるか。Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le Dreamfest, voilà, Crawford bleu, deuxième Dreamfest pour Crawford, on l'attendait pas forcément, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas eu encore leur Dreamfest, comme Soda, comme Akai, chez les Jap, Radunga sur Twitter avait dit une petite suggestion, un petit tweet qui disait pourquoi ils n'ont pas sorti le premier, enfin non, c'est pas vraiment le deuxième Dreamfest Club après Rivaol de l'année dernière. Là, ils auraient pu sortir le Crawford Ajax d'Amsterdam. Ça aurait été vraiment. Là, ça aurait été plus cohérent avec la méta club qui commence à se mettre en place. Donc là, ils ont mis un Européen qui donne des super boosts en termes de leader skill et peut-être même de passif. On va voir ça tout à l'heure. J'ai vu aucune vidéo de mes amis comme Atsushi ou Mitch. Bisous à eux. Parce que je préfère découvrir le joueur avant et ensuite je regarderai leur vidéo, je likerai bien évidemment. Donc d'ailleurs, je vous invite à les liker et à les suivre. Donc beaucoup de choses aussi. Donc on a le share play aujourd'hui, le partage libre. Hein, voilà, partagé complètement libre. Si vous n'êtes pas de conf ou si votre conf est un petit peu endormi, bah là vous pouvez farmer et finir l'event à point. Alors, deux choses, donc il y aura le Crawford qu'on va voir ensemble et surtout l'éveil du potentiel de notre ami Matsuyama, donc d'après les premiers retours, qui n'est pas fameux. Pour une fois, je suis pas dans mon lit, hein, vous avez vu, j'ai fait un effort, je me suis levé. Répertoire des joueurs, on va voir peut-être en premier le Matsuyama, celui que je pense qu'il va arriver assez rapidement. Où est-ce qu'il est? J'ai dû le passer sans faire exprès. Alors attendez, je vais revenir. Il est là le Matsuyama. Hop. C'est vrai qu'on le distingue un peu mal, cette carte-là. D'ailleurs, elle est belle, mais on le distingue un petit peu mal. Il est là. Le Matsuyama, éveil du potentiel. Donc là, attendez, juste que je regarde au niveau de son endurance. 1000, ouais, il était à 1084 et là, il passe à 1002. Donc, ce qui est excellent. Excellentissime en termes de stam. Donc, il est toujours World Youth, bien évidemment, junior. Milieu défensif et défenseur. Attends, il est devenu double. Ah, il est devenu double poste. C'est bien ce qui me semblait, ce qui n'était pas un défenseur. D'accord. Donc là, c'est comme le. Désolé pour le doigt. Il est devenu un petit peu comme le Naturezza. Naturezza, quand il a eu son éveil du potentiel, il a eu le double poste qui est attaquant. Donc il peut devenir attaquant et milieu offensif. Donc là aussi, le Matsuyama peut être défenseur. Très bien. Très très bien. Déjà un bon point positif. Alors, 18211 en attaque, 6002 en dribble, 5004 en tir et 6004 en passe, se sent pas. 19719 en défense, 7005 en attaque, en tacle, pardon, et 5007 en contre et interception, 6490. Très fort en tacle, hein, ça on va pas se le cacher. Interception sympa aussi, bon contre on va un petit peu éviter, hein. Bon, maintenant aujourd'hui avec les gros tireurs rouges, je pense qu'il fera quand même pas le poids, mais bon, voilà. 18000 en physique, 5000, on va dire 6000 en rapidité, 5005 en puissance et 6006 en technicité, donc très très bon dans la passe et l'interception notre Matsuyama. Donc je pense qu'il vaut mieux le laisser milieu défensif. Je pense que, enfin, en tout cas, ses stats donnent plus ce profil là. Donc, il donne toujours le tag de l'aigle, sympa, la passe et le 1-2. Donc, il faudrait peut-être lui mettre une. Je crois qu'il a une interception. B60 et il a une passe à 80. Donc, je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est une passe qu'il a de notre ami Matsuyama. Nouveau compétence passive, donc il donne à tous les joueurs jab 12%, ça c'est sympa, et il prend 20% quand il prend la bonne lecture lors d'un duel.
un peu comme notre ami Jito Dreamco. Donc voilà, il vous faut 25 pièces médailles, insignes Matsuyama pour avoir toutes les compétences désactivées. Donc il fait un désactivement du scellement pour soi-même, donc une seule, non deux, jusqu'à deux. Il renforce, alors, renforcement d'interception automatique d'un coéquipier. Donc il faut que votre coéquipier ait une interception automatique et par exemple, il donne un sorte de boost, quoi, si je comprends bien. Donc il peut lancer une grâce à lui il peut lancer une interception d'un autre coéquipier. C'est sympa. Il donne à tous les joueurs Jap 1% de supplémentaire lors d'un full power. Il prend 3% supplémentaire et il récupère 80% lors d'un étourdissement. Donc ça c'est quasiment les potentiels de notre ami Naturezza. Hein. C'est les mêmes, sauf que, à part le Japon, Naturezza, c'est Sudam. Et tout le reste, c'est la même chose. C'est exactement. Bah, je viens de débloquer la compétence potentielle de Naturezza. Je crois que c'était celui-là, le renforcement interception automatique. Et pleine puissance en plein gaz. Voilà. Oui. Pour qu'il soit viable, il faut vraiment qu'il joue dans une équipe Jap, notre Matsuyama Dream Fest des années bissextiles. On va aller voir rapidement le Cruyford. Malgré que le Cruyford rouge était très très fort, que je cherche toujours, que j'ai toujours pas. Il est où notre Cruyff? Il est là, hop. Le rouge que je cherche depuis longtemps, qui est très 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 fort. Donc voilà, où est-ce qu'il est notre ami? Il est là, il est bleu. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'... Attendez, je regarde. Est-ce que c'est pas le premier? Ah non, il y avait un bleu, mais je crois que c'est un... Attendez, c'est pas un... Ouais, c'est un gratuit, lui, je crois. Si je dis pas vrai, je crois que c'est un gratuit. Et celui-là, c'est lequel, celui-là? D'accord, je crois que c'est un avocat, celui-là. Si je dis pas de... Ou un Dream Coach, je ne sais plus. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de Cruyford bleu. Donc voilà le Dream Fest bleu. On comprend pas. On aurait aimé. Enfin après, c'est toujours la même chose. Hein. Il y en a qui veulent de l'Europe, il y en a qui veulent du Sud-Am, il y en a qui veulent ci, il y en a qui veulent ça. Quand il n'y a pas assez d'Europe, ça pleure. Quand il y a trop d'Europe, ça pleure parce qu'il n'y a pas assez de Sud-Am. Quand il n'y a pas assez de Sud-Am, il n'y a pas assez de Japon. Bon, japonais, je pense que tout le monde est, est gavé sur le japonais. Mais voilà quoi. Donc voilà. Attaquant, milieu offensif, double poste, bleu, World Youth, 1029 en endurance. C'est bien. 24 444. Plus de 4 la prochaine fois. 7050 dribbles, 9170 en tir. C'est très, 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 très fort. 7007 en passe. Très, très fort. Voilà, c'est fou. C'est complètement ouf. 16 000 en défense, 6 002 en tacle, 3 008 en contre, on s'en fiche. Quasi 6 000 interceptions, donc lui c'est plus tu lui mettrais un tacle. Et peut-être une petite interception histoire d'eux. Donc voilà. Et 20 626 en physique, donc très fort en puissance. Ballon haut et ballon bas, normal. Et le reste c'est sympa, 6 004 et 6 008 en technique, c'est très 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 sympa. Très très fort. Franchement, les 9 000 en tir, je crois que c'est peut-être le meilleur tireur du jeu avec notre ami Roberto Carlos. Très peu de joueurs, très peu de cartes ont le tir qui dépasse les 9 000. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne notre ami? Donc il donne à tous les non-Jap 15% World Youth. Donc c'est énorme. C'est énorme. 15% c'est beaucoup. À chaque fois qu'une victoire est remportée en duel, tout paramètre puis 5% jusqu'à 3 fois max. Donc il peut, à chaque fois qu'il remporte un duel, il gagne un boost jusqu'à la fin du match. Par exemple, si en première mi-temps vous avez fait 3 duels et que vous avez gagné, c'est-à-dire que jusqu'à la fin du match, vous allez avoir maintenant 15% de boost sur vos stats. Ce qui peut être énorme. Par contre, il va falloir à chaque fois gagner vos duels. C'est-à-dire soit faire une 2, un tir, une passe ou un dribble. Donc voilà.
Il donne un 1-2 combinaison instantanée. Donc apparemment, il n'y a pas de restriction, puisqu'on avait peur qu'il fallait les Hollandais, mais je savais que c'était pas le cas. Parce que sinon, ça aurait été trop restrictif comme spé. C'est un peu comme l'aspect New Brazil Football de notre ami Naturezza. Donc tu peux la faire avec n'importe qui. Volée tournante, 405 jusqu'à 440 en puissance. Et le Cruyff Turn, 200. Donc comme je te l'ai expliqué, il te faudrait... bon, bah, le dribble, c'est bon. Le tir, c'est bon. Qu'est-ce qu'il faudrait? Bon, une passe, bon, t'as le 1-2, donc ouais, bah, tu lui rajoutes un tacle et une interception, et ça peut être très, 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 très sympa. Non, il est pas mal. Pas mal le Cruyff, mais on comprend pas pourquoi il le sort maintenant. On dirait que le club a un train de retard sur la dynamique du jeu. Un event très sympa que je voudrais vous parler vite fait. Donc, il y a moyen d'affronter virtuellement les participants au Dream Championship. Il y a des beaux, très beaux cadeaux à gagner. Par exemple, là, si vous faites le Very Hard contre Wheel of Day, donc vous avez 3 Dream Ball. Si vous atteignez les 25 points Tsubasa, moi j'ai déjà fait le extrême, donc j'ai eu la Dream Ball, les deux Katagiri et les 10 ballons SSR, c'est énorme. Là, il y a encore 3 ballons, il y a encore 3 Dream Ball. Par exemple, Shan, un catégorie, un ticket SSR et 3 ballons SSR. C'est un truc de ouf. Encore des ballons SSR. Oh, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Là, pardon, encore des ballons SSR. Des ballons SSR. Voilà. Non, mais c'est ouf. C'est complètement ouf. Les récompenses sont ouf. Et franchement, je trouve que l'event est très sympa. Très 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 sympa, ils nous ont mis les 16 finalistes du Dream Championship, ils ont mis leur équipe avec leur potentiel et tout et tout. Bon, bien évidemment, c'est le bot, c'est un bot qui joue, hein, forcément. Mais franchement, c'est super sympa. C'est super sympa. En plus, il y a là, les Dream Ball à récupérer et tout, avant le Dream Fest. Quand vous avez pu le voir, j'ai pas tout récupéré. Apparemment, je crois qu'il y a jusqu'à 2 tickets SSR à récupérer. Donc franchement, là pour une fois, club, merci. Voilà, merci. Par exemple, j'essaie de voir. Bah, il a le ticket SSR, le deuxième. Contre DL. Voilà. Donc voilà. Donc super sympa. Merci Club pour Steven. Très sympathique. Je vais peut-être vous faire vite fait 5 singles. Parce que la semaine dernière. Enfin, non, pardon, excusez-moi. Même pas la semaine dernière. Le mois dernier, j'avais fait une single sur le Dream Fest du mois dernier. Et pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitter, d'ailleurs vous devrez me suivre, hein, c'est là où je mets plein d'infos. Aussi sur Tsubasa Zero, sur Tsubasa Dream Team. Alors attendez, hop. C'est un Dream Fest que j'ai eu une single. Hein. Pour une fois, j'ai de la chance. Bon, je n'ai pas forcément besoin parce qu'il me faut son frère. Vous l'avez compris, c'est lui. C'est notre ami, je crois que c'est Mazao. Ouais, voilà, Mazao, qui est lui attaquant. Enfin, de toute façon, les deux sont attaquants et milieu défensif. Que j'ai eu à la première single quoi. Donc j'étais super content parce que voilà je l'avais pas, c'est pas un doublon, mais malheureusement maintenant il me faut Kazuo si je veux le jouer. À part si je mets un Kazuo faible sur le terrain pour que je puisse déclencher les spé. Ensuite, donc là bon, écoutez, on va faire 5 singles. Donc 5 singles ça fait 25 Dream Ball. Donc on va tenter quelque chose. Je vise plus pas vraiment le Cruyff. Bon, ici, je suis super content, je m'arrêterai bien évidemment. De toute façon, le premier SSR, je m'arrête. Et bon, le Tsubasa, je l'ai déjà. Donc voilà, donc j'ai dû forcer pour l'avoir en single. Et j'aimerais bien avoir le jeune Tilly. Vu que je ne l'ai toujours pas eu, j'aimerais bien l'avoir. Lui, je l'ai. Donc voilà. Allez, c'est parti. Première single. Là, si j'ai encore un SSR, ça sera un truc de dingue. Non, je pense pas. Non. Là, il y a 2 mois, je crois, j'ai fait 6 singles. Et la sixième, j'ai eu un SSR. Je sais plus c'était lequel. Je m'en rappelle même plus. Chance. Non. On est déjà à la deuxième. Allez, troisième.
Non plus. Allez, on va faire la quatrième. Le nouveau Urabe qui ne le dribblera plus. Si tu veux. Si ça te chante. Allez. Avant-dernière single. Flamme du troll. On va attendre un petit peu quand même. Non. Non, flamme du troll. Allez, le soda. Allez, dernière single, après on s'arrêtera là parce que je garde mes Dreamboat pour le World, pour les World Legends. Non. Ok, bon, je m'arrête là. Voilà. Donc, de toute façon, les singles que j'ai perdus avec vous, là, les 5 singles que j'ai perdus, c'est pas grave, je vais les récupérer avec l'event, avec les joueurs Dream Championship. Comme ça, au moins, voilà, je récupère mes Dream Ball. Vu qu'il y en a beaucoup à récupérer, des super, j'ai 2 tickets SSR à récupérer. Donc, franchement, c'est génial. J'aurais dû peut-être les prendre, les tickets SSR, et les faire avec vous. Mais je vous donne rendez-vous sur Twitter pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que j'ai eu. Ou sur ma chaîne YouTube, je mettrai un petit post de mes tirages sur ces tickets SSR. Voilà les amis, c'est là-dessus qu'on s'arrête. Bien évidemment, quand il y aura le portail World Legend, on pense tous à Zidane. Le jour où Zidane arrive, bah, all-in quoi. All-in les frères. Donc c'est pour ça que je garde les Dream Ball. J'en ai tué que 25, c'est pas la mort. Il m'en reste 125 derrière. Donc on fait attention au Dream Ball et on farm et on farm et on farm pour arriver avec le maximum de Dream Ball quand le portail sortira. D'ailleurs, le portail, je crois qu'il est sorti au mois de novembre. Si je dis pas de bêtises, si j'ai une bonne mémoire, je crois que c'était au mois de novembre de l'année dernière. Donc ça devrait arriver normalement, bah, s'ils tiennent leur planning, donc dans à peu près un mois maintenant, un gros mois. Dans un gros mois, sortira très prochainement le portail World Legend. Je vous kiffe, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa Dream Team ou Zero. À la prochaine, ciao ciao.